Alors on parlera d'anticipation esthétique digitale pour faire quelque chose de très général. En réalité, bien évidemment, nous parlons ici du fameux Digital Smile Design inventé par Christian Kochmann et c'est une marque DSD. C'est une marque qui est maintenant, qui existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Elle a été inventée par ce monsieur, Christian Kochmann, un praticien et prothésiste dentaire brésilien, lequel, bénéficiant finalement de tout son art et dans ses doigts la possibilité de faire des wax-up et la complexité de la réalisation de toute la chaîne prothétique, a inventé un système simple, reproductible, pour résoudre les problèmes auxquels il était confronté. Et donc la prédiction esthétique, à travers la photographie, il l'a réalisée et publiée pour la première publication en 2012. C'est devenu ensuite quelque chose qui a changé la face de la dentisterie moderne, on peut le dire comme cela. Et comme je le disais au départ, DSD est une marque parce que DSD propose énormément de produits. On le verra d'ailleurs dans leur, on étudiera leur application. Ces produits sont devenus, et cette manière de travailler est devenue monnaie courante, et il l'a diffusée généreusement sur Internet en général. Beaucoup ont fait des cours, comme, et c'était notre cas, plusieurs cours de DSD. Nous ne sommes pas affiliés formateurs DSD et nous ne souhaitons pas empiéter sur cette partie-là. On vous engage, si vous voulez, à aller vous former en détail sur les techniques de DSD, à aller suivre ces cours qui sont passionnants. Toujours est-il que on ne peut pas éviter de parler du DSD parce qu'il est le princeps d'une partie de notre exercice, bien évidemment. Et comme tu l'as dit, ça a révolutionné notre exercice, comme celui de nombreux confrères et de nombreuses consoeurs. Il faut imaginer que l'idée principale, en fait, de ce Digital Smile Design, c'est d'avoir un dessin idéal guidé et orienté, dirigé par la face. Et c'est bien ça le principal élément. C'est que, bien sûr, quand on regarde un modèle de face en tenant le socle par la main, il est toujours facile d'avoir de 13 à 23 un projet prothétique aligné. Toute la problématique, c'est d'intégrer cette nouvelle restauration dans le visage de notre patient. Et pour cela, nous avons besoin d'anticiper, puisqu'il ne s'agit pas, une fois que le projet est fini, de se dire « mince, je ne suis pas tout à fait parallèle à ma ligne pupillaire ». Et ça passe essentiellement par, encore une fois, une notion de communication. Cette notion de communication est fondamentale pour qui ? Pour nous, d'abord, les praticiens, on va dire, mais également pour échanger avec notre laboratoire. Et ce laboratoire, nous allons le voir en détail, est vraiment avide d'avoir autant d'éléments pour décider, pour avancer, pour progresser. Alors si on veut aller maintenant un peu plus dans le cœur du problème, traiter, dirigé par la face, anticiper, communiquer, ça a été décrit maintenant depuis, tu l'as dit, plus de 8 ans, depuis 2012, par une association et quelque chose, et c'était là un peu la révolution, quelque chose de gratuit, puisque que ce soit sur PowerPoint ou SecondNote, nous avions la possibilité, chez nous le soir tranquillement ou en journée, de réaliser une analyse esthétique idéale avant de se lancer dans le projet. Exactement, et c'est encore le cas, parce que vous pouvez parfaitement faire tous vos DSD sur Keynote ou PowerPoint, qui sont ces logiciels de projection et d'exposition de photographies ou de diapositives, c'est avec quoi sont faits toutes les présentations comme celle-là. Toujours est-il que, au-delà, comme tu l'as dit, de communiquer avec le laboratoire en lui disant « Tiens, je te donne deux photos du patient, fais-moi un joli sourire », il s'agit de porter une analyse plus précise, mesurée, mesurable, où on va donner des valeurs précises au laboratoire de manière à guider son wax-up diagnostic. Alors ça peut être réalisé par le laboratoire, et certains laboratoires font cette phase-là. Ça peut être réalisé par le praticien. Et c'est cette discussion entre la clinique et le laboratoire qui nous importe énormément, parce que vous allez voir qu'il y a une vraie équipe qui doit se faire. Et on l'a dit depuis le départ, le monde digital dans notre profession rapproche encore plus les deux pans de la profession que sont le côté clinique et le côté laboratoire. On le voit ici avec ces trois images résumées qui ont été les grands classiques et qui sont encore les grands classiques du DSD issus d'un keynote.